Salut à tous les amis et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui sur The Legend of Heroes. Regardez-moi ça, je sais plus quel étage. Mais on devait se rendre au 34e, alors les amis, il est temps de prendre notre magnifique ascenseur et de se rendre directement à la truc du gala, parce que sinon... Alors vous avez bien discuté? Oh! Gouverneur général Rufus. Vous étiez encore à cet étage, votre excellence? Tu peux m'appeler Rufus. Les invités ne vont pas tarder à arriver. Mais tu tombes bien, Rin. J'ai hâte de parler. En privé, ce ne sera pas long. Très bien. Désolé, partez devant. D'accord. Pas de problème. De quoi ça va parler, les amis? J'ai tellement curieux, là. Il s'est passé tellement de choses dans l'épisode précédent. そういえば君とサシというのは初めての機会だったかな。ええ、そうですね。自分を呼んだのはクロスベル総督としてですか？それとも鉄血の子供筆頭としてでしょうか？ オズボーン閣下が見出した若者たち。 その立場としての意図もあるが、一応トールスの元理事だからね。 旧7組に所属していた負傷の弟、ユーシス・アルバレアの兄でもある。話題はさぞ多いのではないかな。ユースに伝言なら承ります。いずれ必ず再会するつもりなので。ああ、すでに他の面々とは再会を果たしているのだったかな。いや、 ウォーゼル君とバルスタイン教官もまだだったか。どこまで知っているんだ。<笑>冗談だ。時間もないし、弟のことはいいだろう。私にとっては君があの方の実の息子であることの方が重要だ。 始めるとしようぜ。誰にも邪魔はさせねえ。俺とお前の最後の勝負を。一応筆頭を務めさせてもらっている。ただ私の存在はオズボーン閣下以外には伏せられていてね。ただひたすらに下向きに前へ。 そうすりゃきっと結社の幻影計画とやらこのまま私が乗っ取らせてもらう。クロスベルの後始末も兼ねてな。どうしてあんたが生きている。クローが撃って死んだはずだろ。無様なところを見せたわね。 クロのことよろしくお願いするわ。おじいさんの仇も打てず、あんたに一矢も報いられず、あいつの人生が全部無駄だったっていうのかよ。君と同じく閣下にもいろいろな事情があるのだろう。そしておそらくその事情は君と無関係というわけではない。 リン、どうか健やかに育ってくれ。女神よ、願わくばこの子だけは。久しぶりだな、我が息子よ。お前には英雄として、しばらく役に立ってもらうぞ。だったらどうか聞かせてください。 1年半前のあの時、聞きたくても聞けなかったことを。ミリアムやアルティナを作った黒の工房とは何ですか？オズボーン宰相が奪ったという結社の幻影計画とは一体何ですか？それに鉄血の子供、どうしてあなたが筆頭なんかに。閣下、
そろそろお時間です。すぐに行く。いくつかは答えてあげよう。黒の工房の実態を知る者はオズボーン閣下だけだ。私もあくまで閣下を介して黒ウサギを託されただけでね。クレア少佐やレクター少佐、ミリアム君自身も知らないだろう。逆に試されているようだな。君も含め私たちのいずれかが確信にたどり着けるかどうかを。確信。そして筆頭の剣だが、12年前父をそそのかし両兵団アルンガルムを閣下にけしかけたのは私だ。アルンガルム、解放戦線の V が所属していた大貴族に雇われて妻女を襲おうとして逆に皆殺しにされたという。試したかったのだよ。軍部出身の平民宰相の力量と仕掛けた人間に気づけるかどうかを。そして帝都近郊の鷹狩りで君の養父シュバルサー男爵に閣下を紹介してもらった折、それが私の仕業であることを閣下はしかと見抜いてくれていた。火遊びがしたいほど退屈かね。家柄に縛られるだけのうつろな人生が。ええ、先日は失礼しました。私からの挨拶気づいていただけたようですね。四大名門に未来はなさそうだ。ならば私はあなたを真の父と考え、いずれ乗り越えさせていただきましょう。鉄血の子供というわけか。確かに子は父を乗り越えるもの。その日を楽しみに待たせてもらおう。だからこそ私は最初の鉄血の子供となったのだよ。Puis le dîner rassemblant l'équipe d'inspection, les notables locaux et les grosses sociétés démarrent au 35e étage. Waouh, c'est divin, c'est quoi ? Ce qui a été servi au dîner de gala, je me suis dit que ça vous plaira de goûter. Ah, quelle générosité ! Ah, je regrette de ne pas avoir pu rapprocher la princesse. Elle était super mignonne, mais je préfère la fille aux cheveux noirs qui l'accompagnait. Ah, moi j'ai passé une bonne soirée en tout cas. Ah, voilà pourquoi ce genre de repas devrait être interdit aux élèves. C'est une faveur du gouvernement général, refus en personne. Une chance d'avoir été aussi invité, non ? Ah, même si je n'ai pas le droit de sortir de cette tour. Déjà bien de vous avoir avec nous, non ? Refus.
Il n'est pas du genre à plaisanter. Je suis sûr que tout ce qu'il m'a dit était vrai. C'est lui qui a engagé les Jaegers de V il y a 12 ans. Et il est là à la tête des enfants au sang d'acier. Et le lien qui existait entre lui et le chancelier au sang d'acier était bien mon père. Ce dernier connaissait donc déjà le chancelier Osborne à cette époque. Mais alors, le jour où mon père m'a sauvé durant cette tempête de neige... Rin ? Ça ne va pas ? Tu es tout pâle. Tout va bien, je réfléchissais juste à quelque chose. N'en fais pas trop. Je sais que depuis ce matin, tu as dû avaler beaucoup de nouvelles difficiles. Mange quelque chose, ne reste pas le ventre vide. Ouais, merci. Je ne dois pas m'égarer avec tous mes problèmes personnels. Je dois me concentrer sur mes manœuvres aux côtés de mes élèves. Au fait, Mus, j'ai une question. As-tu parlé à la princesse ? Pourquoi me demandez-vous cela ? Quand je l'ai saluée tout à l'heure, elle m'a dit que tu ressemblais à une amie à elle. Alors je me demandais si... Je l'ai croisée une ou deux fois dans des soirées à Emdal, rien de plus. Par contre, il paraît que vous connaissez bien le prince Oliver. La rumeur dit qu'il a même joué un morceau de musique en l'honneur de votre avenir avec ce Brother Who. Quoi, c'est vrai ? Le prince Oliver, il joue de la musique ? Je ne m'en souviens pas. Je trouve quand même que tu es bien renseigné, Mius. Yuna est encore morose. Devoir s'entretenir avec la famille impériale ne lui a pas remonté le moral. Les canons sur Rai, le gouverneur général Rufus, ça doit faire beaucoup pour elle. On dirait bien, oui. C'est quoi cette tête d'enterrement ? Salut, Ash. Qu'est-ce que tu fabriques ici ? Je te vois aller et venir depuis tout à l'heure. Ouais, je cherche un moyen de sortir de la tour. J'aimerais me trouver un bar avec des jolies nanas. Impossible d'épancher ma soif ici. Hé, vous venez avec moi ? Tu vas encore te faire réprimander comme aux dernières manœuvres ? Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans un endroit pareil ? Ah, mes élèves n'ont pas l'air trop stressés par la situation. Ils manquent clairement de lucidité par rapport aux événements. Il leur faudra rester concentrés sur leur mission. Et ce, jusqu'au retour du camp de manœuvre. Je dois attendre ici jusqu'à ce que l'équipe d'inspection parte. Ça va prendre encore un peu de temps. Tout va bien se passer au camp de manœuvre ? Ne t'inquiète pas pour ça. Nous pouvons compter sur les troupes de la PMF, et pour le moment, la société ne s'est pas manifestée. Ah, nous contrôlerons la situation. Au fait, où est la Major Claire et Lester ? Ils ont disparu des radars. Ils sont à l'extérieur de la tour pour une mission bien précise. Ne vous en faites pas pour eux, et concentrez-vous sur la vôtre. À vos ordres. Où qu'on aille, toutes les informations sont strictement contrôlées. De toute façon, le dîner se termine dans une demi-heure. Le dîner se termine, ensuite, sans incident. Puis tout le monde attend dans la tour que les véhicules de transfert de l'équipe d'inspection en ville soient prêts. Vous avez quartier libre, mais au 34e étage seulement. Restez prêts à intervenir immédiatement en cas d'appel. Rompez ! Pas énormément de temps. Je vais en profiter pour faire un tour à l'étage. Alors, les amis, on n'a pas beaucoup de temps. Oh, il y a du shop. Ah, bah oui, bah c'est les petits distributeurs. On a full à manger ici, là. Genre, Rin, il pourrait servir un petit poisson, là, comme ça, tranquille. Hein. Une pizza, c'est de la pizza ? Attendez, c'est de la pizza ? Oh, il y a de la pizza ! Enfin, je crois. Sinon, c'est des. Ouais, je sais pas. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour faire. Ne faites un tour de l'étage. Quel tu lus ? J'ai besoin de te parler, Kurt! Je suis rassuré de savoir que le prince Oliver et la princesse Alphine n'ont pas changé. Enfin, si, la princesse a changé. Elle est de plus en plus belle. Haha, je suis d'accord. Tu as déjà été en contact avec la famille impériale, Kurt? Oui, ma famille travaille pour elle depuis toujours. Mais je vous mentirais si je vous disais que je suis aussi proche d'eux que mon frère l'était du prince Oliver. Sinon, j'aurais remarqué le changement chez le prince Cédric. Kurt, je pense exactement la même chose que toi. Si seulement j'étais parvenu à sortir un peu la tête des ordres du gouvernement. Constructeur. Mais comme l'a dit le prince Oliver, nous devons veiller sur lui du mieux que nous pouvons. Le prince Cédric est intelligent. Tu le sais mieux que personne, non ? Oui. Vous avez raison. Ah, très bien, je préfère ça. Bon, ben voilà, déjà, rien que lui, c'est déjà splendide. Alors, je sais pas où est-ce qu'il faut qu'on aille. Est-ce qu'on peut sortir ? Non, mais j'ai pas envie de sortir, en fait. Hé, salut, vous ! Vous regardez quoi par la fenêtre ?
Oh ouais, c'est beau. Ah non, c'est pas... Ah, il y a une aura rouge, là. Regardez. Suspect. Suspect, moi je dis c'est suspect. Oh. Attendez. Oh non, pas lui. Ah, oh, mais si. C'est pas vrai. Vous écoutez tout ce qu'on vous dit ou pas? Les journalistes sont priés de rester dans la salle d'attente jusqu'à ce que leurs autorisations soient émises. Mais non. Je n'avais pas l'intention de m'approcher des VIP de l'équipe d'inspection. Je voulais juste avoir un mot des gardes et des élèves du campus numéro 2, c'est tout. Michael Irving, vous êtes l'instructeur en chef du campus, mais aussi un agent de la PMF, n'est-ce pas? Pouvez-vous me dire un mot sur cette affaire? Non, ça suffit! Vivi, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, Rin! On ne s'est pas vu depuis Saint-Arc. Vous connaissez? Mais alors, elle aussi vient du campus principal. Vivi, je travaille pour les Chroniques Impériales. J'ai fini mes études à Thor au printemps dernier avec Rin. Bon, Chorzer, tu es responsable de ton ami. Qu'elle se tienne à carreau et suive le règlement à la lettre. Il est pas mal, mais il a besoin de se détendre. Certes, mais que fais-tu à Crossbell? Enfin, en y réfléchissant, l'équipe d'inspection, ça doit être un sujet qui fait vendre du papier. Ouais, en plus, j'ai réussi à être en charge du dossier grâce à mes contacts. C'est aussi l'occasion de revoir Lindy. Elle me manque un peu. Je vois. N'oublie pas, quoi qu'il en soit, de bien respecter le règlement, d'accord? Sinon, je serai obligé de te sortir de la tour. D'accord. J'espère juste que je pourrai parler directement au VIP ou à l'équipe d'inspection. McDowell est absent et impossible d'entrer en contact avec sa petite fille. Vivi, tu étais là? Flûte. Et vous êtes? Minute! Vous êtes le chevalier Sandré! Alors c'était vrai! Vivi vous connaît donc! Ah, qu'est-ce que j'avais dit? Désolé, je m'appelle Reigns, je suis journaliste à Crossbell Times. J'accompagne Vivi pour un article commun pour les Chroniques Impériales. Je vois, j'espère que tout se passe bien avec elle. Qu'est-ce que tu sous-entends? Vivi, on est censé avancer ensemble sur cet article. Arrête de la jouer perso, tu veux? Tu faisais le farting et à tout va. Tu as pensé aux conséquences? Ah, eh bien... D'accord, je me tiens tranquille jusqu'à l'interview. A plus tard, Rin. Si tu as des infos, n'hésite pas à les partager et n'oublie pas de m'envoyer des photos de paysages. Entendu. Quelle vitalité. Je devrais en prendre de la graine. Mais quelque chose m'inquiète. Impossible d'entrer en contact avec les McDowell. Tiens, tiens, tiens. Impossible. Oh, y'a Ash. Je suis sûr, il faut lui... Non, faut pas lui parler. Hey, Ash. Je sais que tu m'aimes pas, mais... Je vais t'aider à sortir. Vas-y, va au bar. L'ascenseur est évidemment sous surveillance. Les escaliers de secours ont aussi l'air blindés de gardes. Je pourrais peut-être m'éclipser en faisant semblant d'être malade. Eh bien, tu te rends compte de ce que tu dis devant ton instructeur? Vu la situation, je me suis dit que ce serait marrant de t'acheter. Si tu acceptes de finir à fuir, je serai aussi généreux avec toi. Arrête de plaisanter, retourne dans ta chambre, tu veux. Ah, toujours aussi coincé, toi. Putain, moi j'aurais payé, en plus je suis full blindé, attends. Non, je suis pas blindé. Ouais, mais si Ash il est blindé, perso, vas-y, moi je prends les thunes, hein. Ah, les thunes! Comme ça, après, j'ai full thunes et tout, full match. Bon, enfin, bref. Oh non! Eh? Je le savais! Cela faisait bien longtemps. Des gens discutent dans l'escalier de secours. J'y vais ou pas? J'ai peur! Pardon. Il est temps de faire la fouine! ガイトの女学院に移ったと思っていたのに。手紙の方ではそこはぼかしていましたから、それとなくヒントの散りばめてはいましたけど、あなたと来たら相変わらずというか、わざわざガイトに届いた手紙をリーブスに転送させたのね。ちょっとしたスパイ小説みたいでしょ。 お二人を心配させたくないのが半分、驚かせたかったのが半分ですね。心配させたくないって、
心配に決まってるでしょ。あ、でもよかった。返事がいつも遅かったから何か起きているのかと思って。ただでさえ何の力にもなってあげられなかったから。私もそうだわ。もっと力になれればって。お二人とも。そのお気持ちだけで十分です。どのみちアストライアに居続けることはできませんでしたから。まあ姫様と乙女のたしなみで盛り上がったり、エリゼ先輩のお兄様ラブな話が聞けなくなったのは残念ですけど。もう本当に相変わらずね。トールズではミューサと名乗っているのね。実践もある環境だそうだけど、ちゃんと言っていけそう？ええ、これも自分で選んだ道ですから。いざとなれば先輩のお兄様が守ってくれるでしょうし。え？ん？悪い、聞くつもりじゃなかったんだが。リーさん。その殿下も申し訳ありません。乙女の密談を聞かれてしまいましたね。まったく、思わせぶりに目くばせしてくると思ったら。はあ、リーさんは悪くありませんわ。ええ、昔からこの子はこうですから。Je vois, alors comme ça tu étais à l'Institut Saint-Astria. Oui, jusqu'à la fin de l'année dernière. Pas dans la même promotion qu'elle, mais elles ont toujours été très gentilles avec moi. Je dirais plutôt qu'elle passait son temps à me taquiner. Et c'est pas ma faute si vous laissiez faire. Je suis d'accord sur ce point. Votre Altesse, vous n'allez pas non plus vous y mettre ? Saint-Astria, c'est un établissement idéal pour une jeune fille de bonne famille. Pourquoi en est-elle partie, et surtout pour intégrer le campus numéro 2 ? Votre Altesse, Mademoiselle Elise, il est l'heure. Oh zut ! Désolé, je reviens tout de suite. Nous devrions aller en ville à la maison des hôtes d'État. Je suis au courant. De longues journées vous attendent dès demain. Reposez-vous bien, toi aussi Elise. Oui, pareil pour vous et Emile. Je veux dire Muse. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Sutherland, et restez bien prudent. Ne t'inquiète pas. Hé, merci. Oh, Mildy. Hé, bonne nuit à toutes les deux. Je vous enlève l'instructeur Rin, et peut-être je ne le vous rendrai jamais. Désolé, je vous appelle demain. Je t'ai déjà dit d'arrêter de faire des blagues vaseuses. Et si j'étais sérieuse? Ah, je comprends mieux ce qu'éprouve Cédric. Mais jusqu'à quel point est-elle sérieuse? Je ne sais pas, elle ne dévoile jamais ses sentiments. Mais sa position doit l'obliger à agir ainsi. Oui, tu as raison. Elle est intelligente, mais sans doute un peu trop parfois. J'espère simplement qu'elle ne fera pas de bêtises. Et donc, tu as fait tes études à Saint-Astria? Je m'en doutais, mais je n'en étais pas sûr. Hihi, ce n'est pas ma faute si Elise parle tout le temps de vous. Et la princesse aussi. Je crois bien que vous lui plaisez. Ah bon, donc tu es amie avec ma sœur et avec la princesse. Je tiens à te remercier en leur nom. Ah, ce n'est pas la peine. Votre sœur et la princesse ont toujours été gentilles avec moi malgré notre différence de position sociale. Ce sont elles qui me manquent le plus depuis que j'ai quitté Saint-Astria. Je vois. Elle vient d'une riche famille de province. Elle a dû subir de nombreuses pressions, j'imagine. Sûrement de la part de mon vrai père, le chancelier Osborne.
Mais... Ne faites pas cette tête. Je n'ai pas coupé les ponts avec Saint-Astria et j'ai de nouveaux amis, les élèves de la classe 9, Yuna. Je crois même que j'ai enfin rencontré l'homme de ma vie. Ah, ce genre de plaisanterie, tu sais. Qu'est-ce que vous fichez? Ash? Hi, coucou. Eh, Chorzor, on peut pas te lâcher de... des yeux 5 secondes, toi. Un petit rapprochement élève-professeur? Mais pas du tout! C'est un malentendu, notre relation en est encore au stade platonique. Même si je suis prête à lui offrir tout ce que j'ai à tout moment. Oh, ça va trop loin, là. Je me concentre et... Mais... C'était quoi, ça? Rin, que faites-vous? Tiens, Muse, Ash? S'est passé quelque chose? Oh, rien, vous êtes venu me chercher? Oui, c'est bientôt l'heure. Nous devons accompagner l'équipe d'inspection. Bien, alors vous deux, retournez dans vos classes respectivement. Instructeur Rin, qu'y a-t-il? Pas d'erreur possible. J'ai ressenti ça plusieurs fois pendant la guerre civile, il y a un an et demi. C'est quoi ce courant d'air froid? ランディさん、生徒たちと視察団の安全確保。ミハイル少佐は警備部隊との連絡をお願いします。合点承知だ。エレベーターは使用不能だよ。非常階段を使って。了解です。教官。7組、8組、9組は集合しろ。装備を確認。36階の VIP フロアに向かう。えい。勝手に仕切るな。こちらトールズ第二、警備管制室応答せよ。こら待てよお前ら。だったら俺が連れ戻してきてやるよ。では私もすぐに戻ってきますから。何のつもりだ。今回ばかりはこの目で見ておきたくて。ミューズちゃん、どうして？まあもう、なんだってんだあいつら。シマルサーに任せろ。ゲストたちの保護が優先だ。中まで入り込んでいるのか。結社の哨戒機、こんな時に。加勢するぜ。あなたたちはミュゼまで。毎度毎度てめえらだけに美味しい思いをさせてたまるかよ。今回は私もお手伝いさせていただきます。話は後だ。
こいつらを無力化する。ああもう気をつけてよね。はっ、誰に物言ってやがる。それではオープンコンバットですね。Mais bon, nous les amis, on va s'arrêter là pour cette magnifique vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros like, le pouce bleu qui fait plaisir avant le combat magnifique dans la prochaine épisode. Et oubliez pas de nous abonner pour qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo, les amis. C'est important. Bye.